Ah, ils sont encore ensemble. Ah, mais j'en sais qu'il n'y aurait pas. Ouais, non, et donc il lui a dit qu'il a fait tomber. Oh, ah ouais, non, mais c'est régulier, hein, à la fin de leur relation, ça frappait. Hein. Et donc, elle lui avait planté les talons dans le dos, là, les épaules, et qu'après, elle voulait le frapper à la tête. Et du coup, ouais, lui, il a attrapé par les épaules et il a serré. Ouais, avec son ex. Ah ouais, d'accord. Ah, mais alors, finalement, elle est pas nette, cette fille. Elle avait raison, c'est lui. Non, mais oui, parce qu'il paraît qu'elle a des gros problèmes de violence. Enfin, ça, c'est Jésus. Alors, après, moi, la violence des filles. Je vois les fesses ou je vois les seins. C'est pas vrai. Ouais. C'est que ça. Ben, moi, à partir du moment où elle commence à parler de sous-hommes, j'ai envie de la mettre dans une petite boîte en carton. J'avoue, des fois, elle est conne. Avec marqué. Avec peignée en Biélorussie. Moi, j'ai entendu parler. Ah, là, une petite guitare. Il manque le soutien auditif. Quoi? Il manque le petit soutien auditif. Comment ça, Précon? C'est parce qu'elle est quand même restée 3 ans et demi avec moi. Il y a des filles qui restent longtemps avec des mecs parce qu'elles sont attachées, malgré tout. Je sais pas, hein, moi. Je sais plus qui c'est qui me parlait de la mec avec qui elle est restée longtemps. Et le gars, c'est aussi violent. Ah, non, mais au début, il était pas comme ça. Hein. Au début, je vois qu'il paraît que tu étais bien. Et... Ça, là, avec sa nouvelle fille aussi. Mais c'est une nouvelle fille qui me casse les couilles. Malade. De quoi, il a. Non, il n'y a pas de violence. Non, 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 mais justement, elle est super chiante avec lui. Moi, j'aurais fait un câble. Je demanderai à quelqu'un, tu sais pas le nom de famille de ton collègue?